Genre là-bas notamment. Y a Gonk, mais. Donc ça, c'est le loa que j'avais choisi. Pas l'air d'y avoir vraiment de problème ici quoi, enfin ça a l'air d'être calme. Bon, ça a l'air d'être buggé ici, ou alors il y a un bug avec la quête. On va passer sur autre chose. Visiblement, il y a un bug avec la quête, donc on va l'abandonner. Et on la reprendra plus tard. On va se diriger vers le port de Zul. J'ai un fly un peu plus au nord. Oh. Ouais, là. Je l'ai vu. Bon, c'est un gros source de guerre. C'est trop fort rien, mais... Elle est là. Zandala résistera. Hop. Iker. Ok, d'accord. Donc j'ai encore à peu près 1 heure de tournage. Comme vous pouvez le voir dans le chat, mon commerce de sacs anti-néant est florissant. Donc il va falloir que je reproduise. Parce que vu la vitesse à laquelle ça part. Ça rapporte pas énormément, mais ça se vend super bien quoi. Pas par là. C'est là. Très bien. Vous avez besoin de protection, capitaine. Attention à vous. Mon équipage, il ne croit pas une seconde au mensonge de Zul. Il sait à quoi s'en tenir. On sait à quoi s'en tenir, nous autres. Là-bas, on a le port. Là-bas dans le port, pardon, des traîtres à la solde de Zul se sont alliés avec les Mogus pour me prendre mes navires.
Si on perd la flotte avec le port avec, on perd la ville. Les habitants de Zul'Dalar doivent savoir qu'on n'a pas dit notre dernier mot. Ces bateaux, on va les reprendre et les fumiers et ces fumiers, on va les virer de là. Allumez les feux des tours avec la flamme bénie par les lois, comme ça tout le monde saura que la baie des rois, elle appartient à Zandalar et à personne d'autre. Dirigez-vous vers le navire. Il faut faire attention dans notre cité. Je veux dire au roi Rastakhan qu'on allumera les tours après avoir repris nos navires, comme ça mon équipage, il saura qu'il peut rentrer chez lui. C'est ça le fameux navire? Visiblement non. Ah ok. Ah, attendez. D'accord, c'est vrai qu'il y avait une île là-bas, j'ai jamais été. Ah, je crois pas. Non, il n'y avait jamais été. Comment allez-vous? Vous tombez bien. Ah, une autre fois. Quand un troll découvre la véritable nature de Zul, sa réaction en dit long. Cette Garza, c'est une traîtresse mal embouchée, doublée d'une voleuse de bateaux, le genre de fanatique qui suivrait cette hérétique jusque dans la gueule d'un dieu très ancien. Moi, je suis plus du genre à lui arracher ses défenses pour l'assommer avec. Cela dit, si vous récupérez la clé pour libérer notre maîtresse des vagues et notre équipage, je m'en contenterai. Rapportez la clé de l'intendante Garza. Ok, on reçoit une bague et de l'azérite. Adieu maintenant. Ok. J'ai mal vu. Non, excusez-moi. Voilà, ok. Bah, c'est sur les terres. Oh, mais zut, j'ai tellement l'habitude de, quand je prends une monture, de sauter pour voler. Ok, d'accord, ça a l'air d'être sur ce bateau. Alors, attendez, je sais pas ce que je l'ai vu. Il est où? Il est sur le même niveau, donc il doit être juste à côté d'elle, le coffre. Il y a un coffre.
Ok. Elle est là. Merde. Ah, zut. Enfin, excusez-moi, j'avais les doigts mal placés, donc j'ai lancé les mauvais sorts, mais c'est pas grave. Ah, ok. Ah, attendez. Bon. J'ai la clé, par contre, y a un coffre. J'aimerais bien le récupérer, apparemment il est en dessous. Mais je ne l'ai point vu. Il a l'air d'être derrière là. Je le vois pas. J'ai l'air d'être pile poil dessus, mais. C'est ça? Non, c'est pas ça. Bah zut, je suis censé être juste en face là. Du moins ça ressemble aussi à ça, mais non, c'est pas ça. Bon, bah tant pis, il y a un coffre ici, mais il apparaît pas. Donc, bon, si c'est pour 5 ressources encore, 5 misérables ressources de guerre, pas très très grave. Attendez, ce qui me dit que la quête c'est ici. D'accord, c'est dans le... Ok. Soit le loi des rois. Que Rezan vous donne la force. Éliminez les troupes de Zul. Que Baku okay. veille sur vous. Ok. Donc, je dois éliminer des mecs. Rien invoquer la succube aussi parce que ça va se payer. Ok.
Bon, voilà. Bon. Me tire. Je n'ai pas de cible. C'est bon. Je suis plus poursuivi. Rendez grâce aux lois de la métamorphose. Bien joué, elfe de sang. J'espère que ça endiguera la menace qu'ils font peser sur nous. Que Gonk guide vos pas. Je vérifie juste un truc, c'est au niveau de mon enregistrement. Oui, on est bon. Les Mogus, ils ne savent plus comment s'en sortir. Là, ils cherchent peut-être à filer d'ici avant que la fureur des lois s'abatte sur eux. Le larbin ensorceleur, le seigneur de guerre, il a installé une espèce de bloqueur avant de prendre le contrôle de la tour. Si vous avez pas peur de prendre un coup de jus, ces paratonnerres, ils peuvent vous donner un sacré coup de fouet, il n'y a pas à dire. Allez trouver le seigneur de guerre Xiar et empêchez-le de nuire. Ensuite, prévenez les nôtres qu'on a repris le souffle de Pakku. Ce mojo a été renforcé pour faire brûler la tour. Okay. Donc, il faut tuer Xiar. Pakku veille sur vous. Ok, et il y a une autre quête. Avec Pakku. Bah, ah, je vais que pas accepter. Rezan vous donne la force. Excusez-moi, je sais pas que j'ai dû cliquer sur refuser et pas sur accepter. J'ai toujours pas fait la mise à jour de ce logiciel. Je suis désolé. Bon. Ça a pas l'air d'être par là. Bah c'est pourquoi j'ai changé de monture moi, n'importe quoi. C'est pas grave. Ok d'accord, c'est ce chemin là qu'il faut prendre. Je trace hein, je m'en fiche hein. On m'a pas demandé de tuer les autres. Je me concentre sur ma cible. Ok, le voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est m'éloigner. Voilà, comme ça, je suis plus poursuivi par personne. Et mon objectif est là. Irrésistible. Subissez le courroux de la tempête. Mais oui, comptez dessus. Pierre finit par se briser. Il faut envoyer le signal. Envoyer le signal. Ah, ok, simplement. Excusez-moi. Je l'avais pas vu. Un.
L'éclaireur est posté près du camp, ok. Zandalar résistera. Pas mal, MDG le Normand, votre travail est bientôt fini. Cool. Zandalar. La prochaine île, j'y suis parti en éclaireur et la griffe de Rayzan, elle transporte une arme qui dépote. Bah faut pas avoir peur de perdre son pote dans une explosion qui dépote. Si vous avez la ref. Je sais pas trop ce que c'est, mais le bruit court qu'elle est capable de briser nos défenses. Prenez ce navire et détruisez leur engin de mort avant qu'ils puissent l'utiliser contre Zuldalar. Ok. Enquêtez sur l'arme. J'ai juré de défendre la famille royale. Faut prendre ce truc-là, je suppose. Ok, ça m'offre juste un flag gratuit en fait. Merci. Ok. Ah, on est là. Ok, d'accord. Je suis pas très fan d'ici, hein, honnêtement. Oh, d'accord. Faut que je bute. Ok. Alors faut que je le bute, mais j'ai vu. Non. J'étais sûr d'avoir vu un coffre. Bon, c'est pas grave. Qu'attendez-vous des Zandalari? Ça, je m'y attendais pas. Zandalar pour toujours. Dernière ligne droite, la deuxième tour, c'est le signal que la flotte est de nouveau sous contrôle. Grimpez vite qu'on en finisse. Voler avec le capitaine Gresco et allumer le feu de signal de la Je tour. sers les Zandalari. Quand le dernier feu sera allumé, la ville saura que c'est bon, mais mon équipage pourra rentrer. Ok. Je suppose que... Allumage. Ok. Ah. Bah, du premier coup. Parce que j'ai appuyé un petit peu au pif. J'avouerai. J'avouerai que j'ai un peu appuyé au pif, quoi. Bon, au moins cette branche-là est terminée de quête, visiblement. On va juste la rendre. Ah, c'est vous! Ok, on a sauvé la flotte et protégé la baie, enfin la baie du roi, donc le port du roi. Oui, captains, nos capitaines sont
sont très sont comment dire sont très ah comment on dit sont très contents de nous quoi en gros je cherche le mot mais 37 22 hop attendez c'est quoi ça? La coche de flamme bleue, c'est une tenue en main gauche, ok d'accord, de toute façon... Le vent et la mer vous soient favorables. Alors c'est quoi ça? On m'a dit que l'azérite, il y en avait plein partout, et qu'elle attendait que nous, il suffit d'aller récolter, mais ça c'est votre boulot. Si vous y restez, je me réserve votre chapeau. Donc il y aurait moyen ici de récolter de l'azérite apparemment. On verra ça après. Je retiens. Que, voilà qu'il y a ça mais on va aller faire le troisième la troisième ah d'accord c'est là-bas ok bon on y va je vais prendre le fly qui est en haut du port et puis Avec quelle loi avez-vous passé un marché? Là, il y a l'air d'y avoir... Ouais, bah, on va y aller en nageant avec la monture de flotte. Je coupe le temps du fly. Je dois FK 2 minutes et puis je vous reprends. Bien, on se retrouve donc après une petite pause. D'accord, le jeu considère qu'il est absent. Et donc on se dirigeait là-bas, ok. On va peut-être quand même pouvoir y aller par les terres. Je pense qu'on peut y aller par les terres. Ok, ouais, et c'est le poste avancé des réprouvés. Ok. Parlez sans tarder. On vous envoie prendre de mes nouvelles. Exactement. Surveillez vos arrières. Je peux actuellement sentir le souffle de l'océan d'ici. Les naufrageurs. D'accord. Normalement, c'est des naufragés, pas des naufrageurs, mais c'est pas grave. Je n'arrive pas à croire qu'il y ait des survivants. Oh, tu fais chier. Excusez-moi. Et c'est mon chat. Il vient de me tanner pour que je lui ouvre ma porte de chambre. Et là, il veut sortir. Allez, vas-y, dégage. Il sait pas ce qu'il veut. C'est un chat. Voilà, voilà. Alors, excusez-moi. Alors, je disais donc, je n'arrive pas à croire qu'il y ait des survivants. Les ordres sont clairs, nous devons à tout prix les empêcher de prendre pied dans les parages. Le problème, c'est qu'ils sont bien plus nombreux que prévu. Il va falloir commencer par les affaiblir. Eh bien, qu'est-ce que vous attendez? Un carton d'invitation. J'ai dit naufragé de la 7ème Légion. Ah d'accord, c'est des nains. Il me semble, hein, la 7ème Légion, c'est des nains, normalement. Le butin des naufragés. Nous devons en apprendre davantage sur ces marins avant de faire notre rapport. Dans l'idéal, il faudrait envahir leur camp
Mais ils sont trop nombreux pour notre petit groupe. Par chance, ils se soucient bien davantage de leur mission de récupération que de leur sécurité. Voyez si vous pouvez trouver les renseignements sur leur chef qui pille les épaves, glaner des informations concernant l'Alliance. Ok, donc je résume. Victoire pour Sylvanas. Parce qu'en fait, on est en train de se battre sur deux fronts. Les quêtes qui concernaient le temple en haut, c'était des quêtes qui concernaient donc plus l'aspect la trahison de Zul et sur le plan entre guillemets spirituel, c'est surtout vis-à-vis des lois, vis-à-vis du temple, vis-à-vis voilà du pouvoir établi et qui est plus un pouvoir religieux, enfin qui est un pouvoir très religieux. Après les voilà le tout ce qui est comment dire, vaudou, ça c'est toujours, ça a toujours été l'affaire des trolls, hein. Ça a toujours été dans le lore des trolls, donc c'est normal. Les quêtes qu'on vient de faire à l'instant là, c'était pour vraiment sauvegarder le port, donc c'était vraiment plus la stratégie militaire, la sauvegarde du port pour garder le contrôle de Zul'Dalar. Et là, par contre, on se bat sur un autre front, c'est toujours éloigner l'alliance du conflit qui a actuellement lieu. Donc ça va être surtout cet aspect-là. Donc d'un côté, il y a Zul, et donc on se bat contre lui sur l'aspect, entre guillemets, pouvoir religieux et pouvoir stratégique. Et de l'autre côté, on a l'Alliance qu'il faut surtout pas qu'ils foutent leur nez dans nos affaires, là. Donc c'est... Ok. C'est intéressant. C'est intéressant comme situation, j'ai envie de dire. Ok, je peux pas monter. Non, 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 tu me laisses au moins balancer un sort, s'il te plaît. Voilà. Ça loot ou ça loot pas? Ça loot pas. Là, ça loot. Je suis trop loin. Ah non, ça a l'air d'être... je sais pas trop. Ouais, si, c'est des humains. Je pensais que ce serait des nains, mais non, c'est des... C'est des humains. L'avantage c'est ça, c'est que je peux me faire aider des troupes qu'il y a aux alentours. Bon, ok, donc déjà il y a ça et il y a... Voilà, il y a tout ce qui est lettres, tout ça, et ça, va falloir que je me concentre là-dessus. Tuer des soldats, ça c'est pas un problème ça. Donc, on va plus se concentrer sur tout ce qui est mission. Donc notamment, on va devoir regarder au niveau des épaves. Ok, d'accord. Lui, apparemment, il a un truc intéressant. Ouais, ok, carte de reconnaissance. Faut que je... Ok, donc il y a là et il y a là. Ok.
Ah merde. J'ai aggro un crabe en même temps. C'est pas vraiment prévu. Oui, parce que j'ai des sorts, enfin j'ai des effets d'Azirith qui provoquent des dégâts de zone. Donc parfois, ben j'aggro des mobs qui sont normalement passifs. Ok. Et après, il me restera 4 marins à buter. Voilà. Voilà. Ouais, je suis peut-être un petit peu serré niveau vie. Après, je peux utiliser mon drain de vie à tout moment. Hein, mais pour le moment, j'utilise mes dots. Voilà. Mais écoutez, puis il reste plus qu'un marin à buter, comme ça. Bon, ben, comme ça, j'en aurai deux pour le prix, là. Plus. On doit d'abord choisir une cible. Bien, bien, bien. On va contourner un petit peu. Oh, purée. Mais pourquoi est-ce qu'ils vont toujours vers le bas mes montures quand je suis dans la flotte? C'est chiant ça. Ah d'accord, il y avait aussi des quêtes ici. Bon, j'espère que c'était pas dans la suite. Que voulez-vous ? Les renseignements les plus intéressants ne viennent toujours pas de là. D'où on s'y attend, ok d'accord. C'est une catastrophe. D'après les renseignements que vous avez recueillis, ils ont déjà pris pied sur cette île. Et cette tête de pont est loin d'être la seule. Ils ont un bateau et il faut à tout prix les ralentir. Voilà de l'hydroglycérine, ok. Placez-la sur leur embarcation et anéantissez leurs espoirs de fuite. Et si l'occasion se présente, éliminez le capitaine qui supervise l'évacuation. Ne faites confiance à personne. Ok. Et je vois qu'il y a deux quêtes ici, on va essayer de les faire en même temps. Ça roule ? Alors, récupérer 5 insectes, ok d'accord. Cette jungle regorge de créatures et de bestioles en tout genre. Je suis pas sûr que ce soit nécessaire. Je crois que ce sont des quêtes facultatives, ça a pas vraiment l'air... Je peux vous faire un bon prix. Ouais, non, ça a l'air d'être des quêtes secondaires. Ça. On verra, hein, s'ils demandent, on les fera, mais... Mais ça m'a l'air d'être de la quête secondaire, ça. Oh!
Ok. Donc ici, il y a le capitaine. Là. Ok, d'accord. Et bah par chance, ça fait pas de dégâts, c'est une bombe en scénarium. Ça c'est toujours bon, ça les bombes en scénarium. Je l'ai vu. Alors, elle est où? Là, je l'ai. Ouh, 15 ressources. Bah déjà là, on peut discuter. Même 16 ressources. J'ai mal vu. Ah bah ok, ils sont vraiment pas loin de... Pour l'instant, on les a réussi à empêcher de fuir, pour l'instant. Ok. Et ça s'arrête comme ça pour le moment. Alors, on va essayer de faire ces quelques Vous avez quêtes-là. quelques pièces à dépenser? Du crabe au menu, récupérer 7 morceaux de chair de crabe. Ok. Vous pouvez bien vous offrir encore une petite Alors boucole. Vas-y, accouche. Et 5 insectes. Amusez-vous bien. Ça m'a l'air d'être des quêtes secondaires, ça. Mais si ça se trouve, ça débloque après pour la suite. Et même si. A pas grand intérêt. Ah d'accord, ça se récolte ça. Ok. Donc va falloir être attentif. Va falloir être attentif. Non, c'est pas ce que je voulais. Heureusement que j'ai pas réussi à l'attaquer en vrai. Des gyrocoptères et tout. Ouais,
peux pas monter sur le rocher, fais chier. Attendez, hop, il y a un insecte ici. On va le choper. Un autre insecte ici. D'accord. Mince, c'est parce que je voulais, c'était mon drain de vie que je voulais. Non, ok, tout ce qui est bidoche, c'est bon. Ensuite, il y a tout ce qui est insecte. Ça a pas l'air d'être là. Là. Sauf qu'il va falloir que j'arrive à monter. Là. Bah alors. Putain, c'est pas vrai. Mais je veux juste l'insecte, moi. Quand même. Ok, là-bas. On va essayer d'avoir sans aggro les deux marins qui sont là-bas. C'est bon. Allez, je me corse. Vous êtes là pour acheter? La prochaine fois, revenez avec plus de pièces, d'accord? Ouais, ouais. Vous allez assurer. Donc, c'était non. C'était non, c'était pas... Ça débloque pas de nouvelles quêtes. C'était juste, voilà, on essaye d'empêcher l'alliance de venir foutre la merde ici. Mais c'est un peu un échec parce qu'ils sont là, quoi. Bon. Bah, il nous reste donc la quête qui est là.
Mais on va voir si c'est vraiment obligatoire de la faire. Est-ce que j'ai un fly ici? Non, parce que sinon je serais arrivé ici directement. Hop. On va remonter. On va essayer d'aller reparler au roi Rastakhan. Voir si ça a débloqué la situation. Il me reste une demi-heure de tournage. En tout cas, on aura bien progressé dans les dans ce scénario de Zuldalar. Il est là, le fly. Bien, voyons un petit peu si on peut maintenant donner notre signal. Bienvenue à Zuldazar. Eh ben non. Eh ben non. Zandalar pour toujours. Donc on va retenter la quête qui avait, semble-t-il, foiré. Je pense que c'était juste un bug, hein. C'est possible, ça arrive. Bien. Donc faut aller là-bas, hein. Je vais peut-être reprendre la carte. Ah, ok, attendez. Le truc c'est que si je tombe là. Non, ça devrait le faire. La grandeur de Zandalar, elle reviendra. Je passe un coup de vent, honnêtement, je me fous des mobs et tout. Je trace quoi.
Ah ouais, ils ont réussi à bousiller ma protection, mais c'est pas grave. Ah, je suis pas monté assez. Ok. L'avantage, c'est que je peux reprendre mon coursier. Ok. Bon, attendez, on va essayer de les semer. Ça en aggro d'autres, par contre. Non, ça veut pas. Je vais devoir les affronter. Bon, ça va, y en a qu'une. Bon. Salut. Bonjour, Pakuaï. Donc, ok.